On n'a pas vu de méchants dans les fonds de tiroirs. On n'a pas vu dans les champs ce que l'on devait voir. On n'a même pas vu les dieux s'arrêter un peu. Dans le fond des yeux, des baleines bleues. Alors, on vient d'entendre des baleines bleues. C'est mon morceau phare, puisque c'est 15 millions d'écoutes aux États-Unis sur une très grande radio qui s'appelle Radio Pandora. Et Single Gold aux États-Unis, plus de 15 millions de streaming et de téléchargements. C'est quand même assez exceptionnel. Peu d'artistes en France obtiennent le Single Gold aux États-Unis, donc je suis très fier. Et tous ces jours où il pleut, on replonge un peu dans le fond des yeux, les baleines bleues. Dans le fond des yeux, les baleines bleues. Le nouvel album qui vient de sortir, Exquisite, c'est-à-dire Exquis en américain, sont des reprises de chansons anciennes, vintage, des chansons love songs, sur un mode de swing. À ce propos, c'est un véritable engouement du swing actuellement en France. Ça s'appelle l'Indy Hop et c'est repris à Paris dans des boîtes de danse. Et je crois que le vintage et le swing revient à la mode en force. Donc je suis en plein là-dedans et c'est mon créneau. Quand on entrait, Laurette souriait et d'un seul coup, nous le sont nos problèmes. Les ingrédients pour une bonne réussite d'un album ou d'un titre, c'est bien sûr le choix de la composition, mais aussi c'est de savoir incarner la musique et de la vivre vraiment quand on la chante. C'est à la fois le son de l'enregistrement, la voix est très importante, et l'entourage musical, les musiciens bien sûr, qui font que c'est une alchimie magique ou pas magique, et réussite ou pas réussite. Et ce n'est qu'après qu'on le sait. Enfin, quand on le fait, il faut le faire avec une sorte de conscience, d'engagement très important de soi-même. Toutes mes influences musicales remontent à ma tendre enfance, bien entendu, en écoutant les chansons de Charles Trenet, Jean Sablon, Gainsbourg, et puis par la suite, les chansons de Sinatra, de Tony Bennett, etc. M'ont influencé dans ce goût pour la musique vintage, swing et jazzy. Donc voilà, ce sont des personnes comme Charles Trenet, Jean Sablon aussi, mais aussi Henri Salvador, Gainsbourg. Voilà, donc c'est une influence à la fois française, de variété française, mais très marqué par le jazz américain qui nous est venu dans les années 40-45. Et si vous regardez toutes les chansons et musiques de variété en France, elles ont été extrêmement imprégnées de cette musique américaine, du jazz, et actuellement encore. Donc on n'en sort pas, même si on regarde le rock ou le hip-hop, il y a derrière une rythmique qui renvoie aux racines du jazz essentiel. Il ne faut jamais s'attendre à le voir passer sans bruit, mais l'imaginer si tendre qu'on peut s'entendre avec lui. Ma vie de musicien et ce que j'aime, ce sont les musiques vintage qui ont une âme, qui ont fait leurs preuves et que l'on réécoute avec passion, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Au pic d'écoute aux États-Unis, ce sont les personnes qui ont 35 à 45 ans, c'est autant hommes que femmes, et ça commence à l'âge de 20 ans déjà. Donc je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ces musiques vintage, jazzy, qui ont des racines culturelles profondes et importantes. Et ben, bien sûr, il y a l'autre versant de la musique actuelle, qui est la musique urbaine, techno, et metal, etc. Mais ce n'est pas concurrentiel, c'est deux domaines complètement différents qui peuvent exister ensemble. Donc l'important pour nous, c'est de faire vivre, revivre ces musiques vintage en adaptant avec des sons jazzy, modernes aussi, quoi. Donc ça, c'est tout le travail que j'adore faire, d'adaptation et de composition.
C'est en 2008, quand je suis allé aux États-Unis, et que je me suis installé pour plusieurs années aux États-Unis, que j'avais cet album Le Temps de Jazz avec les Baleines Bleues, que j'ai proposé aux radios américaines, et ça a été immédiatement pris et diffusé massivement. Donc ce que je voudrais dire, c'est un peu grâce aux États-Unis où tout est possible, où le rêve américain, ça existe encore. En 2008, vous pensez que c'était beaucoup plus difficile en France de se faire écouter par le streaming, ça commençait à peine. Aux États-Unis, c'était déjà en peine dans le streaming, et Radio Pandora a permis de me faire révéler au public américain qui adore mes chansons, qui ne comprennent pas toujours les paroles qui sont en français, je chante en français toutes ces chansons-là, et qui adore à la fois la partie musicale qui est très jazzy, très swing, et puis qui adore aussi la prononciation, l'accentuation de la langue française, le son de la langue française. Je pense que les Américains sont très friands de cette langue française, comme nous étions friands, nous sommes toujours, pour les chansons chantées en anglais. Et c'est pas incompatible. Aussi pour dire qu'au Japon aussi, c'est un marché extraordinaire de la chanson française et de la chanson jazz. Donc je crois qu'on a encore beaucoup d'espoir, d'espérance et de travail à faire pour gagner ce marché de la musique nouvelle par rapport, encore une fois, aux musiques urbaines, techno, fusion, métal, et qui sont dans leur jus et qui ne sont pas concurrentielles de ce que je fais. Le piano, j'avais 6 ans, je suis né d'une famille de médecins et de musiciens, et à partir de 6 ans, j'étais déjà assis au piano avec mon père pour monter des gammes et pour jouer aussi des morceaux de variété, Ensuite, j'ai eu un petit parcours au niveau de conservatoire de musique pour la contrebasse, et ça n'a pas été très long. Puis ensuite, j'ai toujours travaillé par instinct, par oreille, comme beaucoup de musiciens, comme Eric Garner d'ailleurs. Et tant d'autres, tu utilises toi aussi, je ne vous avais pas une note de musique. Donc, voilà, c'est une génétique de musicien dans ma famille qui m'a permis m'a permis d'avancer dans cette voie-là. Moi-même, j'ai été médecin pendant d'années, et quand j'ai arrêté la médecine, c'était pour reprendre les cours des mères d'amour qui sont la musique et la composition. Je voudrais que ton regard suive tous mes chemins, m'endormir dans tes bras du soir jusqu'au matin. Je voudrais que ton âme effacée. Je suis entouré de merveilleux musiciens de jazz français. Christophe Levent, qui a l'occasion d'accompagner Ray Charles, c'est une merveilleuse référence, c'est une merveilleuse bassiste, il a accompagné tous les plus grands du jazz en France quand il était de passage en France. Son frère Philippe Levent est un merveilleux batteur qui a accompagné Tania Maria, Rhoda Scott, actuellement, Scott Hamilton, Marc Rimbaud qui est un merveilleux guitariste qui m'accompagne aussi, compositeur de jazz et de variété qui a sorti plusieurs albums sous son nom, et enfin mon fils Omarou qui est saxophone ou ténor, grand prix du festival de jazz de Ciudad Bolivar au Venezuela. Donc ça fait une belle famille, une belle homogénéité de musiciens et une très belle compréhension que nous jouons ensemble. Je crois que ça contribue au son et à l'âme qui peut s'en aider. J'ai longtemps cherché en espérant que toi, Tang, 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 Tang avec moi. Aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde, mais aussi en Allemagne, il y a une reconnaissance extraordinaire de mes chansons en Allemagne. Donc on va faire une tournée aussi en Allemagne et au Japon pour essayer de développer le marché français au Japon. Tout ça sous l'égide du Bureau Export qui va nous aider à nous guider.
guider et nous épauler dans cette merveilleuse aventure qui va se poursuivre. De faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour, je t'aime ma baby. Faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour, je ne pense qu'à toi. Chip, chip, choubidoubidou, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Choubidoubidou, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens, 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 viens avec moi. Quitte cette grisaille triste pour retrouver le soleil et la beauté de la vie. Viens, 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 ne perdons plus de temps. Le spectacle de la vie nous attend, ma chérie, allons-y. Et faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour, je t'aime ma baby. Faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour, je rêve de toi. Chip, chip, choubidoubidou, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Choubidoubidou, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Choubidoubidou, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Choubidoubidou.